Bonjour, cette semaine du 22 au 28 août va parler de questionnement. De questionnement, alors, bon, sur beaucoup de plans, peut-être déjà sur le plan affectif. Il y aura des, comment pourrais-je dire, bon, des déclarations qui vont se faire, hein, en amour. Il y aura beaucoup d'inconstance, je dirais, hein. Et puis, dans tout cela, la lumière va sans doute émerger pour une guérison. On va en parler. J'ai donc tiré cinq cartes pour vous de mon oracle Smooth Love, où on voit déjà un chemin de questionnement de haut et de bas avec les cartes que j'ai tirées pour cette semaine du 22 août, mais beaucoup de choses qui vont se faire, des déclarations d'amour, oui. En tout cas, des réponses à vos questionnements. Alors, vous êtes sur Saga Voyance, bien sûr, je mettrai encore une fois cette vidéo sur Image de l'âme. Nous avons, dans la vidéo de la pleine lune du 22 août, une pleine lune en Verseau, le dévoilement de la personne qui a gagné au concours pour une voyance avec moi. Je la félicite. Je vous invite à aller voir cette vidéo Liberté, Vérité, Universalité, hein, qui parle de trouver sa propre liberté, hein, dans le monde avec les autres, sa propre indépendance et son propre choix de cœur, hein, je dirais. Et je vous invite, eh bien, pour cette semaine également, à mettre des pouces, à commenter, à vous abonner encore, puisque nous sommes sur Saga Voyance à plus de 600 abonnés. Et 600 abonnés, je suis bien heureuse de cela. J'espère que nous atteindrons bientôt les 1000 abonnés et d'ici quelques temps, je relancerai un concours pour les 1000 abonnés, mais j'attends encore que la chaîne ait plus d'abonnés. Alors n'hésitez pas, hein, chaque visionnage et un abonnement, un pouce pour développer cette chaîne, je vous en remercie. Alors, nous avons dans ce tirage avec le jeu de 32 cartes, nous avons 3 rois, 2 dames, 2 as, 3 neufs et 2 8. Et quand on voit cela, eh bien, on pourrait dire oui, que les choses avancent bien, comme je vous en ai parlé. Après des questionnements, des interrogations, il y aura des choses qui vont se passer, de belles guérisons de cœur, de la chance. Avec les neufs, hein. Oui, des, je dirais, des possibles rencontres, oui, amoureuses, hein, avec les deux huit, noir et rouge. Et puis, on pourrait parler avec les deux as quand même, hein, de changement de vie favorable, hein. Après, peut-être des hauts et des bas. Alors, on commence avec l'as de cœur, hein. L'as de cœur, eh bien, c'est la joie quand même, c'est la manifestation de la joie dans la famille. Peut-être une naissance, hein, peut-être voilà, la joie dans la maison, le foyer. On a un neuf de carreau tout à côté. Le neuf de carreau, bon, a priori, il peut y avoir des retards et des obstacles, des difficultés, mais en même temps, avec cette as de cœur et ce neuf de carreau, peut-être si vous êtes dans l'attente d'une lettre sur le plan sentimental, en tout cas de nouvelles, eh bien, vous pourriez recevoir une lettre. Il y a l'idée aussi peut-être de se déplacer pour aller voir l'autre ou voilà, faire un petit voyage agréable de cœur, pourquoi pas. Ou alors dans un voyage, et pourquoi pas dans ce déplacement avec ce neuf de carreau, eh bien, on pourrait voir. Quand même, on est dans le mouvement avec le 9 de carreau, peut-être une rencontre sentimentale. Pour le roi de cœur et le valet de carreau, ensemble, eh bien, le roi de cœur, bon, ça représente un homme, hein, ça représente quand même, bon, tout, on est dans le cœur, hein, le bien-être. Avec ce valet de carreau, oui, voilà, on est peut-être dans des nouvelles, puisque le valet de carreau, bien, c'est le messager, c'est le facteur, hein, et bien, peut-être ces nouvelles dont on parlait précédemment, elles arrivent. Alors, il y a quand même une idée avec le valet de carreau que peut-être, eh bien, il y a ces retards dont on a parlé aussi, puisqu'on attend des nouvelles. On est aussi peut-être dans l'attente de trouver, hein, ce partenaire idéal. Peut-être qu'on va le rencontrer justement dans ce voyage que l'on fait, mais avec le 8 de pique, si cet homme,
ce roi de cœur, eh bien, il vous plaît, il peut y avoir une relation entre vous, ou il y a déjà une relation avec ce roi de cœur dont vous allez vous attendez des nouvelles, hein, mais peut-être n'est-il pas complètement libre, peut-être même est-il marié, et peut-être êtes-vous dans une situation relationnelle affective, ou eh bien peut-être il y a quand même des difficultés. C'est là que vous posez ces fameux questionnements, et on trouve avec cette carte de l'inconstance, eh bien, un rapport évident avec cela, c'est que, eh bien, tout simplement, il y a des hauts et des bas, les choses ne se passent pas comme vous voulez, parce que bon, on est peut-être dans une triangulaire. Et voilà, et voilà. Et donc, bon, vous attendez peut-être des éclaircissements. On l'a vu, hein, cet éclairage, vous l'attendez peut-être. Allez-vous l'avoir bien dans un courrier, un message de cette personne. Lorsqu'on a un roi de trèfle là, qui arrive là, alors, ce roi de trèfle, c'est aussi bien peut-être vous, hein, qui écoutez cette vidéo, monsieur, ou bien peut-être l'homme qui occupe vos pensées, madame, puisqu'on a quand même une dame de cœur là qui quelque part pourrait vous représenter. Et cette dame de cœur, on est quand même dans l'idée d'une femme sincère. Alors, est-ce vous une femme, oui, sincère, joviale, une femme gaie, hein? Alors, j'espère que bon, ben, ça va être la rencontre entre ce roi de trèfle et cette dame de cœur pour vous, de la rencontre ou les retrouvailles, voilà, ou le rendez-vous. Mais on pourrait parler quand même là si c'est une rencontre d'une personne qui pourrait entrer dans votre vie, ou qui est entrée dans votre vie depuis peu. Et avec ce neuf de trèfle qui correspond au travail, aux affaires, hein, aux propositions, hein, de travail, il y a l'idée que peut-être, eh bien, pourquoi pas, ce roi de trèfle, après tout, pourrait peut-être vous aider à conclure une affaire. Ce roi de trèfle qui est peut-être bien pas très loin de chez vous et qui est dans votre vie déjà et qui est attaché à vous. Hein, voilà. Alors, on continue, j'espère que vous suivez tout cela. On a une dame de carreau. Alors, lorsqu'on a une dame de carreau, on est plutôt dans des oppositions. Une personne qui pourrait s'opposer à vos projets. On a dans le jeu deux dames, et on pourrait parler, on a une dame de cœur, donc cette dame de carreau, cette dame de cœur, ça peut être vous et l'autre. Cette dame de carreau pourrait s'opposer à vos projets d'affaires. Ça pourrait aussi être une dame avec laquelle vous auriez avec celui de carreau des pourparlers sur une trahison. Alors, est-ce une trahison de cœur, est-ce une trahison dans les affaires? Mais on vous invite, en tout cas, quels que soient les soucis, bien, justement, avec un 10 de carreau qui n'est pas très loin, bien, de se méfier de cette personne. Alors, le 10 de carreau, on est aussi dans les déplacements, les mouvements, les voyages, les départs, mais il se pourrait qu'il y ait un changement positif et peut-être une invitation à s'éloigner de cette personne qui pourrait, eh bien, vous créer des problèmes. Alors, on est dans une trahison. J'ai parlé peut-être d'une triangulaire. Ça peut être aussi, eh bien, si vous êtes cette dame de cœur attachée à ce roi de trèfle, cette dame de carreau, pourquoi pas, qui serait l'intruse, entre guillemets, dans votre relation. Alors, vous, bien sûr, vous adapterez en fonction de votre situation. Est-ce vous qui êtes la personne qui avait rencontré une personne qui est déjà mariée? Ou est-ce vous qui êtes avec un homme marié, ou en tout cas en couple depuis un moment, et qui avez affaire à une personne et qui vient un peu interférer dans votre vie de couple, mais aussi peut-être dans vos affaires, hein, parallèlement ou en plus. Hein, il y a peut-être deux situations qui peuvent émerger là. En tout cas, on a un roi de carreau. Alors, le roi de carreau avec le neuf de carreau, on est un peu... Alors, ça peut être un militaire, voilà, le roi de carreau, bon, c'est certain. C'est, bon, allez, admettons, l'homme qui porte l'uniforme, ça peut être une personne qui... Un étranger dans l'idée de quelqu'un qui vit loin, ou l'inconnu dans le plan large, quelque chose d'inconnu. Et avec un neuf de carreau, eh bien, qui est encore là, ce neuf de carreau, on est toujours dans les difficultés, les obstacles, j'en ai parlé, eh bien, il peut y avoir des disputes dans le couple.
des disputes conjugales suite à une infidélité. Et ça suit bien le cheminement dans le sens qu'il y a quand même des affaires de cœur qui ne sont pas faciles, je dirais, hein, pour parler dans la douceur. On a un valet de carreau aussi qui arrive là. Alors ce valet de carreau, c'est un message, hein, c'est encore ce message. Alors peut-être allez-vous recevoir une révélation et un éclairage dont j'ai parlé sur votre situation de couple. Et cela va peut-être créer des disputes, vous allez peut-être découvrir des choses. Il y a aussi l'idée, bon, au sens plus large, d'un valet de carreau qui pourrait être le jeune homme de la famille, hein, le fils aussi, qui est de retour au foyer. Hein. Et puis, voilà, on est quand même dans la joie, je le souhaite. En tout cas, on va sur un 9 de pique, un 8 de pique. Alors là, bon, peut-être un petit accident ou domestique, ou un petit accident, bon, sans grave conséquence. Bon, rien de spécial, on peut se blesser, hein, ça arrive, on se blesse en faisant quelque chose. Bon, là, il n'y a rien de méchant. Il y a une dame de cœur qui s'avance, là. Il y a quand même, avec ce 9 de pique, ce 8 de cupique et cette dame de cœur, il y a quand même une idée de chagrin. On est chagriné, hein, comment pourrais-je dire, de déception. Des larmes, il y a des larmes. Il y a des larmes parce qu'il va y avoir, pour certains, et j'en suis désolée, mais des séparations amicales ou des séparations de couple, de partenaires amoureux, affectifs. Hein. Pourquoi ? Bien parce qu'on est quand même avec un 9 de pique, un 8 de pique. Alors, il y a les petits accidents. Oui, on peut se blesser en faisant la cuisine avec le couteau. On peut se mettre un pansement, ça se répare vite. Mais là, si on est dans l'idée avec cette dame de cœur d'une femme sincère, vous pourriez être cette femme sincère qui pourrait être blessée et vous pourriez bien envisager ou en tout cas être dans un sentiment d'échec. Et plus que cela, il y a des déceptions. Hein, des déceptions, voilà, vous êtes déçus. Hein. Il y a des ruptures, il y a beaucoup de chagrin, de larmes. Hein. Rupture, échec, séparation. Hein. Séparation qui, bon, pour, sur le moment peut être négative, mais peut-être qu'après peut aller bien. Alors ça peut être vous qui êtes la personne qui avait rencontré une personne mariée, et puis bon, voilà, vous êtes obligé bien de vous séparer, ou la personne bien vous quitte parce que bon, elle revient dans ses pénates. Voilà, ou peut-être bien vous découvrez eh bien à vos questionnements, vos interrogations, vos doutes, vous découvrez bon le pot aux roses. Alors, on va parler un peu d'argent, et ça changera un peu. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent dans ce tirage. Alors, ce tirage, il correspond pas bien sûr à une seule personne. Vous pourrez trouver pour certains une chose qui vous correspond, pour d'autres une chose qui vous correspond et pour d'autres pas du tout. Mais on continue quand même, bon, parce qu'avec un as de trèfle et un œuf de trèfle, quand même, on parle de travail, de propositions, d'argent, de contrats, de signatures. Il y a des choses qui se passent quand même. Et on a ce huit de carreau là qui parle quand même de chance, hein, de chance. On est dans les papiers, dans les démarches avec ce huit de carreau sur le plan financier. Alors ça peut être une démarche pour un prêt, une démarche pour conclure un contrat d'affaires, mais l'issue est assez positive, hein, avec ce huit de carreau quand même. Hein. En tout cas, il y a des démarches, des papiers, on est dans tout cela. Il y a une idée d'occasion à saisir, mais en même temps, on pourrait dire que même si il y a des avancées sur le plan financier, soyez prudent quand même dans ce que vous signez, dans ce que vous faites, et surtout dans vos investissements, si on vous invite à investir de l'argent dans des actions ou autres, ou pourquoi pas dans de la crypto-monnaie ou autre. Je suis pas contre la crypto-monnaie spécialement, mais bon, il faut faire attention en ce moment où tout bouge, où tout est fluctuant et tout s'effondre du jour au lendemain.
à être prudent, mais il y a quand même des opportunités, des choses qui peuvent se conclure positivement, ne serait-ce qu'un contrat de travail où vous avez une augmentation de salaire ou peut-être des démarches pour engager quelque chose de nouveau dans votre vie, un projet familial ou un projet professionnel où l'argent est important. Hein. Qu'est-ce que je peux dire ? Eh bien, oui, on a après... N'oubliez pas, oui, parce que là, je reviens à ce neuf de carreau dont j'ai déjà parlé, qui parle quand même de retard. Hein. Alors, il se peut que, bon, vous ayez une affaire, une opportunité, mais qu'il y ait encore des choses, des papiers à fournir, des choses à faire, à bien réfléchir surtout, et peut-être à revoir votre positionnement ou bien voir les détails. Hein, parce que ce neuf de carreau parle quand même un peu d'obstacles. Alors, celui de pique, bon, c'est jamais terrible, on en a parlé, hein. On en a parlé avec le roi de cœur. Je reviens un petit peu. À une idée de possible rupture sentimentale, peut-être parce que bon, bien, au plan sentimental, bon, les sentiments ne sont pas équilibrés, ne sont pas partagés. Voilà, cet homme brun, peut-être ne partage pas vos sentiments, hein, ou c'est vous qui partagez pas vraiment les sentiments, et bon, il y a eu peut-être une rencontre, bon, il y a des choses qui commencent, des choses qui se terminent, hein, voilà. Bien sûr, ça va laisser quelques déceptions, quelques chagrins, quelques larmes. Hein. Et si je reprends un peu ce neuf de trèfle là, qui est très intéressant là, parce que on est quand même dans tout ce qui est travail, et je pense que ça vous occupe aussi. Hein. Il y a quand même des choses qui se passent, il y a des rentrées d'argent hein, avec ce roi de trèfle là, de l'argent. Peut-être pour vous, hein, qui êtes justement le consultant, pourquoi pas. Il y a des invitations aussi, peut-être des invitations. Peut-être une invitation à un mariage pour certains. Vous me direz en commentaire hein, ce qui se passe. On va passer un peu au carreau. Là. On a ce 10 de carreau là, avec la dame de carreau. Alors, j'ai parlé d'une dame de carreau, oui. La dame de carreau, elle n'est jamais bien vue. Hein. C'est souvent la rivale, la personne qui n'est pas très fidèle, une amitié, une amie qui joue des tours dans le dos. Mais avec le 10 de carreau, quand même, il y a une idée de changement. Hein. Peut-être une évasion entre amis, des moments de bonheur, de plaisir, hein, voilà. Il y a du mouvement, peut-être un départ. Alors oui, peut-être le départ, hein, départ en voyage. Vous voyez, les choses bougent. Peut-être avez-vous besoin pour certains, eh bien de rencontrer des amis ailleurs, des relations ailleurs. Eh bien, vous avez besoin si vous êtes en chagrin, en pleurs après des périodes difficiles, une période qui n'est pas facile. Eh bien, peut-être de aussi de vous retrouver et de vous ressourcer avec des amis. Hein. Je reviens encore à ce messager, peut-être ce valet de carreau, peut-être allez-vous recevoir des nouvelles de ce roi de carreau, peut-être qui vit loin aussi, voilà, c'est encore une fois peut-être. Alors moi je vois peut-être aussi, pourquoi pas, hein, s'il y a eu une séparation dans une relation, parce que bon, eh bien, la situation a dû se terminer, il se pourrait que la personne aussi vous contacte encore, vous redonne des nouvelles. Ou... Il y a quand même de la communication avec ce... En tout cas, il y a une communication d'une personne qui est loin de vous, qui habite loin de vous, qui est loin du cœur, parce qu'elle ne peut pas être avec vous aussi. Alors là, vous adapterez encore à votre situation. Je ne peux pas trouver toutes les situations dans ce tirage. De toute façon, il y a quand même beaucoup de déceptions, hein, je suis désolée, mais lorsqu'on a une dame de cœur, un œuf de pique, il y a quand même un amour décevant. Alors même si vous avez encore des nouvelles, une personne peut-être qui va vous donner des explications, hein, parce qu'il y a quand même un éclairage, on l'a vu. N'oubliez pas que vous êtes dans un cheminement de régénération et que vous allez passer peut-être par des moments de chagrin
qui vont être décisifs aussi dans un sens dans votre avenir, parce qu'il faut libérer les émotions, il faut pleurer, là, il faut pleurer, puis après on se régénère, l'eau est guérisseuse, hein, parce qu'il y aura quand même, malgré peut-être des nouvelles encore, peut-être des espoirs, mais en même temps, vous vous rendrez compte que l'amour est décevant, quoi. Faites attention sur le plan financier, hein, parce qu'avec l'as de trèfle, qui parle de triomphe, hein, peut-être une petite perte d'argent dans un petit voyage, où vous aurez l'impression que vous avez fait un voyage que vous pensiez porteur, ou pour une signature de contrat, ou pour une occasion à saisir sur le plan financier. Voilà, vous aurez l'impression que bon, ben, ça n'a abouti à rien, mais ça se peut aussi, faites attention, perte d'argent, il se peut aussi que vous égariez votre porte-monnaie, là, hein, ou que... il n'y a pas de vol vraiment, mais faites attention à votre argent si vous vous déplacez. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Eh bien, on pourrait dire que, bon, comme je l'ai dit, hein, il y a quand même beaucoup de chance dans ce jeu, quand même sur le plan des affaires, des occasions à saisir, je le redis. Hein. On l'a vu, il y a quand même, avec ces deux dames, il y a une dame peut-être qui n'est pas votre amie, mais vous allez retrouver des moments de bonheur, de retrouvailles entre amis, et il y a quand même l'idée que, bon, il y a de belles choses qui avancent. Hein. Et pour certains, il y a des rencontres sentimentales qui sont porteuses. Hein. Pour d'autres, vous rencontrez peut-être quelqu'un qui est déjà pris, et c'est à vous de voir. Hein. Mais c'est des relations qui souvent n'aboutissent pas à grand-chose. Je vous remercie de votre écoute. Courage, courage, hein. Tenez bon. Regardez bien cette vidéo là, qui, je pense, est très intéressante, que j'ai faite avec des runes, 5 runes. Pour cette pleine lune en Verseau, riche en émotions, hein, et en découverte de sa liberté, hein, de son indépendance, hein, comment je trouve ma liberté dans le groupe, hein, comment je suis moi-même, hein, dans toute relation. Et je trouve que c'est très important et très parleur dans ce tirage cette semaine, où là, c'est à vous, à chacun d'entre vous, à trouver votre part, votre espace, hein, avec les autres. Merci infiniment de votre écoute. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Je signale aussi que j'ai fini les vidéos de rentrée pour chaque signe. Je vous invite à aller les découvrir. Et je vous remercie. Et n'oubliez pas encore de partager, de mettre des pouces, de vous abonner. Et bien sûr, si vous désirez une consultation en privé, je ne suis pas très loin. Vous pouvez me contacter. Bye bye.